prochain à un des. Merci beaucoup, en fait, pour votre conférence, c'était très intéressant. Mais, merci beaucoup d'être présent ici. Je viens d'abord à préciser une chose. Tu te chèves ici, le Bresse. Hein? Tu te chèves, mais vraiment de Villa. Allez, frère, tu te chèves. C'est quoi, pourquoi? Juste pour dire à quel point l'Algérie, elle est très diversifiée dans ses aspects multiculturels. Donc, tu te chèves ici, le Bresse, mais c'est ça, le Bresse, c'est le Bresse, il a un peu de l'œil, mais je me sens que c'est derrière. اي يخلق وادي يخلق اجماع الى سمايلو ضع عرب لكن الجزائر لكن اجماع لكن الجزائر لا لا لكن صبر كان لا بريسيزيون باش هذه نبغي تشاوي لكن خصها توجور كون في هذه كونفيرونس كون سا جو بريفير كيسوا دون اون لون باسكو لو تيمو سي كو تو فير باسي لو ميساج دونك سي اون بار دون اون لون سي فري اون مينوريتي بوتيت كي كومبري با لو كابي مي سي اون اي لا C'est parce qu'on a aimé, et je remercie vraiment les organisateurs, de faire venir des Algériens comme vous, qui m'a dit fait l'année dernière qui joue pour la France. C'était très intéressant. Donc, c'est une question. Pour passer à ma question, peut-être que j'ai choqué certains. Non, moi rien ne me choque. Hein. Toutes les questions ça peut-être poser. Vous avez dit que l'islam à un moment donné a servi comme repère ou là comme ciment pendant des moments difficiles, pendant la révolution algérienne. Je me demande personnellement, il dit l'islam ne veut pas dire la langue arabe. Hein. C'est parce que pour ça que je tenais à préciser que je suis chechewi. Et je trouve que l'islam c'est une dimension culturelle, si vous voulez, ou la religieuse, la majorité du peuple algérien, qu'il soit le chechewi, l'akbaïli, l'amzabi. بتالي الشنوين الكوريا نيرسي الجاجا كوتي دو تلمسان ترمي دار واحد الجزائر هكا جو ندوموند سي سي با او بيان سي بوري با جوي لو ميم رول بور كريي لالجيري سيتوايان او بيان ليدونتيتي سيتوايان دونك فوز افي او بيان دو فوز افي بارلي بيان فوز افي مونسيوني دون فوتر كونفيرونس اي جو في ريفيرونس ا دوتر بيي هان كي qui, dans l'islam, représente cette identité-là. La Turquie en est un. Les républiques islamiques russes, elles sont là. L'islam, il est tout le temps dans le background. On ne peut pas le nier, on ne peut pas l'ignorer. Il est là. C'est une dimension qu'il faut contenir, de laquelle il faut en tenir compte. On prend aussi le Pakistan, l'Inde et tant d'autres pays qui le sont. Donc, c'est ma question. Ouais, d'accord. Et en fait, je trouve la question du monsieur très pertinente. Allez. Je trouve que la question du monsieur est très pertinente. Qu'est-ce qu'on doit faire pour le futur? Juste pour vous dire, ça fait plus d'un quart de siècle. Oui, mais moi, la réponse est toujours démocratie, citoyenneté. C'est le seul, je suis c'est le seul, la seule source de progrès social. Je suis d'accord. Mais ça, je réponds à ta question. C'est général. Je suis un docteur ingénieur, pas un docteur médecin, donc je suis un peu plus pratique, j'aime plus le concret. Est-ce qu'on peut énumérer pour les intellectuels, j'aime pas trop le mot intellectuel, plus les instruits, les carrières, est-ce qu'on peut leur énumérer, voilà, votre tâche dans le futur, ce que vous devez faire, si vous voulez que ce pays-là revienne sur les rails et se modernise un jour, Inch'Allah, parce que pour moi, on se dirige vers un mur embêtant, malheureusement. Ouais. On ne peut pas lutter contre Dieu. Non. On ne peut pas lutter contre Dieu. D'abord, personne n'a l'intention de lutter contre Dieu. Deuxièmement, on introduit ce qu'on appelle aussi, tout le monde sait ça, le point Godwin, c'est-à-dire à partir du moment où on atteint, on ne peut plus discuter. On ne peut plus discuter. La religion, c'est ça. La religion, ça doit se laisser dans le cœur et dans le foyer. La mosquée aussi. Mais si on l'introduit en politique, on biaise tout. On va biaiser.